Bonjour à tous. Dans quelques instants, quelques minutes, nous allons commencer la retransmission du match Italie contre la Belgique. Alors, comme vous le savez, la compétition n'est pas en direct tout à fait. Il y a un petit décalage de 10 minutes. Alors, comme vous le savez, voilà, j'ai vérifié le son. Alors pour l'instant, le classement de la Bermuda Bowl, premier Norvège, deuxième Pologne, troisième Suisse. Il y a 23 rounds robin de 16 donnes. Les 8 premiers au bout de ces 23 rounds, eh bien les 8 premiers seront qualifiés pour les quarts de finale. Et actuellement, l'Italie est 8e avec 191 points et la Belgique est 10e avec 186 points. Donc tous les matchs maintenant sont très très importants. Je ne vais pas dire qu'ils comptent double, mais presque. Il faut terminer dans les 8 premiers. Eh bien, les 8. Premiers seront qualifiés pour les quarts de finale. Voilà, le son est parfait sur mon téléphone. Je n'ai plus qu'à le couper. Et voilà. Voyons voir où en sommes-nous. Non, ce n'est pas encore commencé. Donc je vais regarder un peu les autres résultats pendant ce temps. Les résultats des Français, eh bien, en Venice Cup, pour l'instant, on est sixième, c'est bien. En senior, pour l'instant, on est 9e. On est justement à 4 points de la Belgique. C'est serré. Et en 4 mix, je rappelle qu'on est tenant du titre du championnat du monde de 4 mix. Et pour l'instant, nous sommes 4e. Voilà, les noms apparaissent. C'est parti pour la première donne. Je fais un petit coucou à Dominique, la capitaine coach des Belges, à qui j'ai envoyé un message ce matin, qui a fait suivre en disant que je retransmettais en direct. Alors, j'ai téléchargé, pendant que tu y étais, j'ai téléchargé les feuilles de convention des joueurs. Quand je vais avoir une enchère un peu spéciale qui va un peu différer du système français, eh bien, j'irai faire une petite visite. Alors là, vous avez deux Under avec Sam Babout. Sam Babout, on le croise régulièrement à Biarritz. Alors, je dis Biarritz parce que j'habite à Biarritz et je l'ai croisé au festival. Comment je fais pour mettre en grand sur mon téléphone? Voilà, c'est bon. Sam Babout. Alors, dans les Belges, on croise aussi, mais là, il ne joue pas, Mick van der Vorst et Caputo. Voilà, c'est un régal d'être à leur table. Ça joue très bien et on rigole aussi pas mal. Donc, ceci dit, les enchères sont commencées.
Concentre-nous au contrat de deux piques en table de l'as de cœur. Alors, a priori, on va perdre un trois de cœur, cœur coupé, c'est pas grave, parce qu'on devait perdre de toute façon un pique. Et donc, on va perdre deux piques, deux cœurs, quatre. Bon, une promenade de santé et un petit carreau, ça fera cinq. Un petit échauffement. Alors, je rappelle quand même qu'au bridge, ce qui est un peu bizarre pour un de mes ex-partenaires, c'est qu'on ne s'échauffe pas, contrairement à tous les sports, on s'échauffe avant d'aller sur le terrain. Et mon ex-partenaire m'envoyait un défi de 4 donnes sur Internet à jouer un quart d'heure avant qu'on se mette à table pour de vrai. Voilà, donc là, on n'a pas donné la coupe, ce qui ne servait pas à grand-chose en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire de la levée, d'affranchir le carreau? Peut-être qu'on n'a pas lu la parité, on a cru qu'il y avait Dame Valet troisième ou mort en face de deux petits, c'est Sam. On verra bien. Sam joue très bien, hein. Quand je le crois, je veux dire, il m'épate beaucoup. Quatre, deux, huit. On va dire c'est un maniement contre Roi, Dame, 10, 7, 7 à droite. Maniement de sécurité. Et voilà, je dis bonjour à Dominique qui est arrivé sur le chat. Alors, à l'occasion, je dis aussi que si certains veulent commenter, eh bien, ils me préviennent. Et une demi-heure avant, ben, on fait les réglages sur Internet. Et là, je parlerai beaucoup moins, j'irai beaucoup moins de bêtises, car ce sera la personne qui viendra, qui commentera le plus. Je vais sortir la feuille de Sémata, la feuille de convention de Sémata Versace. Voilà, je vais me mettre en gros. Que joue-t-il? Il joue la majeure cinquième, le sans-atout variable. En premier non vulnérable, il l'ouvre à 10-13. Et ensuite, ça dépend la vulnérabilité. Et ça irait de 14 à 17. Ensuite, sur les ouvertures d'un trèfle, ils répondent en Texas, carreau pour les cœurs, carreau pour les piques, etc. Alors, ça, c'est un deux cœurs. Pierre Albaran, qui était un grand joueur de bridge il y a longtemps, qui avait inventé le deux trèfles Albaran, doit se retourner dans sa tombe quand il voit les ouvertures ultra faibles et agressives maintenant de ces deux feuilles. 6, 3, 2, 2, c'est vrai qu'on a 6 cœurs avec l'as et 9, 8, 7. À la belote, c'est une tierce. Je vais remettre mon deuxième écran. Ah, je n'ai pas les scores sur votre. Pourquoi je n'ai pas les scores en haut à droite? Je n'ai pas les scores. Voyons voir. Ça, il faut que je fasse. Ben, je vais enlever les scores, comme ça sera plus simple. Alors. Et voilà. La retransmission. Donc, ça, c'est commencé. Deux cœurs, 4, 7, 10, 13, eh bien, deux cœurs, deux sans atout. Effectivement, on n'a pas d'enchère pour décrire cette main à part dire trois trèfles, mais il faudrait 6 cas. Donc, l'enchère le plus près de la main, eh bien, on arrête la couleur adverse, on dit deux sans atout. Bien, pour ma part, j'aurais fait la même enchère que Versace. Donc, trois trèfles, c'était mal. Trois cœurs, eh bien, j'ai quatre cartes à cœur. 10 sans atout, 16, 17.
17 en face d'un 2 sans atout d'intervention. Alors, est-ce qu'on va plonger à 6 sans atout tout de suite? Mon coach de bridge me disait toujours, admettons que tu n'aies qu'une enchère à faire, c'est-à-dire tu as le droit de prendre qu'un carton. Quelle enchère ferais-tu avec cette main? Bon, je sortirai le carton 6, 6 sans atout, et puis après, on verra bien, ça gagne, ça chute, hein. Alors, de l'autre côté, on a fini la donne, mais je ne l'ai pas vu jouer. Et on a fait deux piques moins un. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a sauté. Il y a eu entame de cœur, switch carreau. Pique vers le 8. Rattaqueur. Cœur coupé. Ah, et on a refait l'impasse carreau, on a joué dame valet de carreau en ouest. Ah. Eh bien. Voilà, c'est Benta a fait. A suivi les conseils de mon coach également. Il a mis 600 atouts. Et voilà, et on a tablé, c'était rapide. Alors quand on ouvre d'un sans atout 10-13 en premier vert, du coup, on ne peut pas ouvrir d'un sans atout avec 15 francs. C'est pour ça qu'on a l'ouverture de Versace d'un trèfle. Un trèfle suivi d'un sans atout. Il montre donc 15-17. Alors de l'autre côté, vous voyez, on n'a pas mis 6 tout de suite, on a mis 4. On a fait un quantitatif. J'ai l'impression que c'est remis à pleuvoir à Biarritz. L'entame de trois de cœur vient bien à pointe pour Versace qui va mettre petit du mort et ça va lui affranchir une levée. 400 atouts, et bien finalement, on s'est arrêté à 400 atouts. Car on pense qu'on avait tout dit en sud et que Nord pensait que lui, 400 atouts suffisait.
Ah, tiens, Versace n'a pas tiré le roi de trèfle avant de jouer trèfle. Eh bien, ça commence moyen pour la Belgique. Là, déjà un petit swing de 5, un haut de 13, 18. Sans passe-passe compte. Alors là, le compte mineur majeur. Alors il y en a qui jouent, c'est la convention à la mode en France, c'est le contre en réveil. Compte, ça appelle au majeur et tout le reste, c'est naturel. Voilà. Pour ma part, je joue pareil qu'en intervention qu'en réveil. Bon ou mauvais, au moins, je ne me trompe pas de système avec mon partenaire. Deux carreaux, je préfère jouer en majeur. Deux piques, j'ai les piques. Trois piques, je fais un effort. Je sais, partenaire, que tu as réveillé avec mes coins. Trois piques, eh bien, on va s'arrêter là. Donc ce qui est intéressant à droite, c'est que vous voyez que on est intervenu en sandwich à un sans-atout, et maintenant de plus en plus de joueurs n'interviennent pas à un sans-atout avec une main régulière, surtout rouge. Ils ont peur d'en prendre pour 800 ou 1100. Et alors, si on n'intervient pas, on ne peut plus dire ce qu'on a. Surtout que maintenant, les ouvertures adverses sont de plus en plus faibles, et les réponses également. Entame à tout, c'est pas mal du tout, hein, chez Sam. On ne pourra pas battre le contrat, mais c'est bien entamé. J'ai dit, pour ma part, je serais intervenu à un pic au lieu d'un sans-atout. Hein. Un cent, dame cœur, on a peut-être 2, 3 cœurs, 2, 4 piques, 7. Ah, il faut pas que l'adversaire prenne la main, autrement les traverser à carreau. Alors, si on choisit de faire les piques, l'impasse pique qui rate, c'est pas. Ah, si ça rate, 4, 7, on a un coup de retard. Et de toute façon, il faudra quand même passer, même si c'est réussi, il faudra quand même passer par les trèfles. Alors, ce qu'on va sûrement faire, c'est jouer trèfle. Petit trèfle vers la dame. Voilà, aussitôt dit. Aussitôt fait. Alors maintenant qu'on a fait cette levée de trèfle, est-ce qu'on va changer de couleur, attaquer les piques? Non, on continue les trèfles et on fera les piques à la fin s'il faut. Allez, ça c'est bien parti pour rentrer le contrat.
Ah. Et on va faire beaucoup de levées. De l'autre côté, bon, c'est dommage qu'on est en main, se dit Sam. Pourtant, j'avais fait une bonne entame à tout. Eh bien, je continue, mon partenaire, pour avoir la dame. Et de toute façon, j'enlève des coups. Ça ne coûte rien. Et vous voyez, de l'autre côté, on a fait le switch carreau. Hein. Il n'y a pas photo. Six, alors. On va tirer les deux trèfles, 7, 8, voilà, et après. Ah, alors, ce qui est intéressant, c'est la défausse de la dame de carreau à droite, pas seulement du déblocage, mais il faut qu'on garde des piques pour essayer de pousser l'adversaire à faire l'impasse pique s'il est trop gourmand. Voilà, moi je pense que, vous voyez, on a même joué que le 7 de pique, hein. On assure le contrat. Voilà, tout ça, c'est très bien joué. C'est 10, 11, 12, 15, 19. Avec une mineure cinquième, eh bien, on peut ouvrir de 2 sans atout, sans crainte. Alors, je vais quand même sortir la feuille de convention de Hartz et de Rousse. Je ne sais pas si on dit de Rousse ou de Ross. Un trèfle, c'est 16 et plus toute distribution. Et l'ouverture de 200 atouts, qu'est-ce que c'est alors? Ah, c'est 21-22. Voilà. Ah. Ah. Alors maintenant, là, on est parti en relais et tout, hein. Alors, voyons voir cette feuille de convention. Un trèfle, tout. Un sans atout, c'est un relais. Forcing manche, et ensuite, on passe avec des enchères de transfert. Eh bien. Alors dans le système français, je vais vous dire, ça serait passé, on ouvre de 200 atouts, de l'autre côté, 4, 4, 8, 9, 12, 13. Alors, si on est en retard de 30 points au dernier tiers-temps de la Coupe de France, on met 600 atouts, on n'en parle plus. Autrement, on dit 400 atouts et ensuite, on hésite en Est et soit on passe, soit on met 6 trèfles. Voilà ce qui se passe. Ça aurait été plus rapide. Le problème est toujours le même, les mains limites et les mains 4-3-3-3. Alors, voyons voir ce contrat de 6 trèfles. On a deux piques, deux cœurs, ça fait 4, deux carreaux, ça fait 6. Et on n'est pas arrivé, ma foi.
On n'est pas arrivé du tout. Si les trèfles viennent, là je me mets dans l'esprit du joueur, ça ferait 11. Et s'ils viennent pas, eh bien, il faudrait décider d'affranchir une couleur pour défausser un carreau. On pourrait éventuellement faire As-Roi, As de cœur, cœur coupé, et ensuite terminer avec tout joué, l'adversaire a pris son atout, et ensuite, si la dame de cœur n'est pas tombée, on ferait As de pique et pique vers le roi. Si on ne voit rien apparaître et qu'on a détecté une dame de cœur quelque part, par exemple à droite, eh bien, on mettrait l'as pour prendre la dame de cœur seconde s'il possédait également la dame de pique. Tout ça, c'est de l'utopie. Mais alors là, ça va pas être facile. Philippe Crozier disait, il n'y a pas de prime à la rapidité. Et j'ai un ancien copain de bridge qui me disait également, Jean-Claude, quand tu joues un chelem, tu n'as pas le droit de le chuter. Si tu le chutes, c'est vraiment que c'était impossible à faire ou vraiment très 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 difficile. Voilà. Alors là, ça va être difficile parce qu'il faut adopter un bon timing. Et il faut jouer sur les cœurs. Somme à la donne. Somme à la donne 5, ça va très très vite là. Je fais entièrement confiance à la Belgique sur ce coup pour gagner ce citron. Alors de l'autre côté, malheureusement, là, les Belges ont pris encore un mauvais coup parce que l'adversaire entamait petit carreau en dessous de l'as quatrième. Et la séquence était... Passe, 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 1-100, 300, entame carreau, le 2 de carreau, entame agressive sous l'as quatrième. Ce qui nous fait 37-0. Alors, il n'y a plus qu'à espérer pour les Belges qu'on ne demande pas le chelem à gauche, ou qu'on le demande et qu'on le chute. Alors, bon, je ne suis pas chauvin, c'est pas, je ne dis pas que je suis pour la Belgique, même si c'est vrai, j'encourage également les Italiens, hein. Voilà, on a vu la mauvaise surprise. Voilà, on a ça, ça. Ah, il a fait l'impasse-cœur. Il n'a pas joué As de cœur et cœur. Oh, alors là. Et de l'autre côté, on joue. Oh, on joue 600 atouts de l'autre côté. Alors 600 atouts, ça fait 4 trèfles, 2 carreaux, 6, 2 cœurs, 8, 2 piques. 4 trèfles, 2 carreaux, 6, 2 piques, 8, 2 cœurs. Je ne sais plus compter. 4 trèfles, 2 carreaux, 6, 2 piques, 8, 2 cœurs, 10, l'impasse cœur, 11. Dame montée de levée quelque part, là.
11 et on a 4 cartes à cœur. Quand un dame de carreau, on va mettre la longue à carreau d'un côté, là on va mettre as de carreau et on va jouer déjà deux coups de trèfle. Ensuite, pour gagner, est-ce qu'on pourrait faire un squeeze? J'appelle ça un squeeze, pas un squeeze pour aveugle. Cherche le mot. Avant de faire la passe pique, c'est si le joueur avait la dame de pique et le quatrième cœur, il serait squeezé. Est-ce que ça, c'est faisable sur cette donne? C'est-à-dire, en gros, que le valet de pique, comme on a encore un troisième carreau, serait presque un double squeeze, et ce valet de pique pourrait être un petit pique. Avec les carreaux gardés d'un côté, ce qui est le cas chez Sam, et les piques gardés de l'autre côté, c'est-à-dire que le valet de pique serait un leurre. Il y aurait un double squeeze automatique. Ah. Ah, c'est pas mal, hein. Donati va rentrer son 600 de tout, j'ai l'impression. Vous avez vu que l'autre côté, il a fait quand même une belle fin de coup de Ross. Il a terminé en faisant un atout en passant, hein, pour faire son 6 trèfles. C'était du grand jeu. En passant, c'est parti des coups de bridge. Un cœur. Oh là, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 20. Encore beaucoup de jeux là. Cœur, 2, trèfle, 3 piques comptent. Le compte d'un barrage est toujours d'appel. Alors maintenant, ce barrage, ça va être plus compliqué. Pour enchérir. Bah surtout qu'on prolonge à 4 piques. Maintenant, si alors 400 atouts maintenant, est-ce que c'est un blackout à tout cœur implicite? Donc si on joue 6, il n'y a pas de problème. Si on joue 7, est-ce qu'on ne pense pas qu'on va chercher la dame de carreau en or, hein? Notre problème, ça sera la dame de carreau. Et le même qui a la dame de carreau, les 4 trèfles. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc tout devrait rouler, quoi qu'il arrive. Donc le début du coup de Donat. Ah! 3 piques contre 4 piques, 5 piques. Ça c'est fit, on a fit cœur et j'ai nommé mon premier contrôle. Le rose va mettre 6 carreaux.
De l'autre côté, on a toujours pas fini de faire le plan de jeu. Ça me pique, ça doit montrer le contrôle du premier tour. Maintenant, est-ce qu'on a assez de jeux pour mettre 6 carreaux qui voudrait dire je veux bien même jouer 7? Ça, c'est un autre problème. On a déjà contré pour dire qu'on avait beaucoup de jeux, c'est ça. Alors, si on remet 6 carreaux, ça va pousser Hearts à mettre 7, à mettre 7 cœurs, ça. Voilà. Alors, vous voyez que vous avez un chiffre qui s'affiche au-dessus de Donati, 379. Ça veut dire c'est le temps qu'il a mis pour faire le plan de jeu, le temps en secondes, et que l'opérateur joue la première carte du mort. S'il fait diviser par 60, 6, 6 minutes. Voilà, 6 carreaux. C'est palpitant, hein? Carreaux. Alors l'opérateur, quand il met les enchères, il met comme s'il y avait un paravent sur l'écran informatique, et il met les enchères de nord-est en même temps, normalement, et de sud-ouest en même temps, sauf quand ça dure très très longtemps, peut-être une petite exception. Et à partir du quart de finale, les joueurs vont enchérir avec des tablettes. Ils n'auront plus de bidding box. Ils vont enchérir avec les tablettes, mais les explications continueront à être données à la main. Voilà, 6 cœurs. Bah, je pense une fois qu'on a mis 6 carreaux, qu'on a mis 6 cœurs, je pense que ça va s'arrêter là, hein. Je pense, sans être sûr, puisque Est a ouvert, a contré, a mis 6 carreaux. Je pense qu'il a déjà donné tout son jeu. Et après, s'il met 7, il faudra gagner 7. Six cœurs, un pique, 7, 2 carreaux, 9, 3 trèfles, 12. Il faudra trouver la dame de carreaux. Eh bien, ça me fait peur, hein, et la peur n'évite pas le danger. Ah! Sept cœurs, ouais, voilà. Voilà, sept cœurs. Alors, généralement, contre un grand chelem, on entame à l'atout. Et c'est Hearts qui va jouer. C'est, non, c'est Deros qui va jouer le contrat. Je vais tout de suite regarder si je peux trouver ça sur Google. La prononciation, bon, je le ferai plus tard. Si on dit os ou si on dit os, je regarderai plus tard. Donc pour les spectateurs, je rappelle, je stream tous les jours, sauf le lundi et le jeudi, car là je joue en direct, en live. Donc je stream mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, 14h30, heure française. Et en priorité sur les matchs que je stream, je regarde si elle est française,
S'il n'y a pas de Français, eh bien, je choisis la Belgique. S'il n'y a pas les Français ni la Belgique, ensuite, eh bien, Zimmermann, bien entendu, et les Américains, l'Italie, etc. Entame pique. On n'a pas entamé à tout, finalement, l'entame pique. Parce que c'était pas clair qu'il manque pas un as à la suite de ses enchères. Voilà le raisonnement de Versace. Bon, de l'autre côté, Donati va voir le mauvais partage des trèfles. Aux enchères, c'est ça qui me fait peur, parce que Semanta a dit qu'il avait 6 piques. Il est intervenu à pique quand même dans les enchères. Donc Hartz, il y a des grandes chances qu'il joue les carreaux, qu'il rate la dame de carreau. Un cœur, les enchères, deux trèfles, trois piques, il a mis carrément trois piques Semanta. Trois piques parce qu'il est 6-4 avec un singleton. Et un 6-4, c'est comme si on avait 7 cartes, grosso modo. Ah voilà, Dominique me dit qu'on dit deux roses, comme la fleur. Super, merci Dominique. Voilà. Alors j'avais un copain néerlandais, mais là il doit faire son jardin, c'est Johan. Je lui avais dit, mais viens commenter avec moi. Comme ça, pour la prononciation, ça sera meilleur. Alors, je ne sais pas si les pénalités pour jeu lent apparaissent dans les scores. Je n'ai pas fait attention. Sûrement que ça doit être marqué dans le bulletin tous les jours. Que là, pour l'instant, les Italiens mettent du temps pour jouer ce chelem. Alors, la correction veut. Je le dis tout de suite. Et ça, je l'ai vu avec les très bons joueurs. Notamment, j'avais vu Hervé Fleury une fois, c'était son adversaire, avait mis 20 minutes pour jouer le contrat. Et Hervé Fleury n'a pas dit un mot pendant 20 minutes. On laisse le joueur jouer son coup. C'est seulement après qu'on lui dit, bon, on lui dit ce qu'on pense. On dit, bon, pour aller un peu plus vite, etc., etc. Mais pendant 20 minutes, stoïque Hervé, alors là, il a une tenue de table, j'adore jouer contre lui, il a une tenue de table impeccable, extraordinaire. Bon, on a tiré le roi de trèfle. Le problème de tirer le roi de trèfle, c'était pas mieux de jouer, donner le trèfle tout de suite. Là, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'impasse-cœur. Alors. Maintenant, j'ai l'impression que quand on va jouer le trèfle, comment il va terminer le coup? On a un problème de communication dans tout ça. Sans doute qu'il fallait donner le troisième trèfle, le trèfle chez l'adversaire à la troisième levée, il me semble. Je parle pour Donati, hein. De l'autre côté, on est en train de se dire qu'après le 3 piques de Semanta, qu'il a 7 piques, on voit qu'il a 4 trèfles, ça fait 11.
On a vu un cœur tomber, ça fait 12. Donc on se dit qu'il n'a qu'un carreau dans la main. Voilà, voilà le raisonnement de Arx. Et je sens, voilà, je sens qu'il va tirer l'as de carreau et jouer carreau vers roi 10. Et c'est là où il va voir que c'est ma taille, 3 piques avec 6 piques et 4 trèfles. Dommage, dommage, dommage. C'est très dommage, très dommage. Alors quand vous avez un mauvais coup, eh bien, on l'oublie tout de suite, on passe à la donne d'après. Que si vous prenez un mauvais coup, bien joué ou mal joué, c'est pas la question. En plus, votre partenaire vous dit quelque chose, eh ben, la donne d'après, c'est cata, hein. Y a pas photo. Voilà, de l'autre côté, on n'a plus de communication. Là, comment il va terminer? Il joue un trèfle, il va défausser un. Il va faire un passe-pique quand même, Donati, il va chuter là. Hein. Ah, ça s'emballe là-bas. Deux trèfles sûrement naturels. Les Américains jouent beaucoup ça. Deux trèfles naturels, deux carreaux naturels. Alors, deux cœurs, c'est mata. Contre, j'ai du jeu. Sur contre, eh ben, dans mon système, c'est un gros honneur second, à cœur. Voilà, donc Donati réfléchit s'il défausse pique et il fait comme si le valet de pique c'était un petit. Ensuite, il va au roi de pique et il joue l'as de cœur, ce qui ne sert pas à grand-chose étant donné que la garde à carreau est derrière le 2 de carreau. Voilà. Donc s'il fait ça, c'est le mort qui serait squeezé avant sud. Voilà, comme rien correspond, il va faire moins 1. Alors, deux trèfles, c'était alerté chez A. Voyons voir le système. Alors, deux trèfles, six cartes. Voilà, c'était naturel, six cartes. Ou 10-15 avec 5 mineurs, 4 majeurs. Voilà. Depuis qu'on est arrivé, tout le monde est rouge, et eh bien on s'arrête, et Versace, il est content, il a 6 cartes à pique. Je dis toujours que, enfin 5 cartes à pique. Quand vous avez les honneurs chez l'adversaire, ces honneurs, ça sert à jouer 2 piques de l'adversaire, mais ça ne sert pas à jouer 3 cœurs, sauf exception. Maintenant, c'est l'as de pique, c'est pas pareil. Il sait que son partenaire est chicane pique et qu'il a 6 cœurs. Suivant la place de l'as de carreau, il se dit, je pourrais faire moins 1 à 3 cœurs. Alors, une des règles en partiel, c'est toujours pareil, quand les deux camps sont fités, eh bien, on enchérit un palier supérieur si on est quasiment sûr, on va dire à 90% de faire son contrat. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Et ça peut être très dangereux, on peut en prendre que 500, 800, 1100. Hein. Contrairement au tournoi par paire, où quand les deux camps sont quittés, l'objectif c'est le palier de 3. Pousser l'adversaire qui a 8 atouts au palier de 3. Donc là, la Belgique a repris 14 points, car de l'autre côté, on a chuté 600 atouts. Il y a quand même mis 3 cœurs. Hein.
pense pas quand même. Il dit, je vais pousser l'adversaire à trois piques, je ne crois pas une seconde. Alors là, je n'y crois pas. On ne sait pas. Les joueurs sont plus agressifs que moi, et c'est pour ça qu'ils sont championnats du monde. Et ben voilà, pour ça, De Rose est au championnat du monde et pas moi. Valet de cœur, rien, on n'a pas de singleton. C'est vrai qu'on sait que le partenaire, bon, bah, il donne longue à trèfle. Alors, carreau, on espère que le roi est placé, puisqu'on a intervenu à deux cœurs. On doit avoir des points. Maintenant, vous changez les carreaux et les trèfles de place. De Rose aurait fait une bonne enchère. Hein. Alors, la différence entre une bonne enchère et une très mauvaise enchère, c'est le résultat. Un cœur de trèfle, trois piques, c'est donné à l'appareil. Quatre piques, on fait la même séquence d'enchères. Hein. Faut admirer le 4 piques de Sam. 4-3-3-3. Sur un barrage, quand il entend trois piques, il sait que l'adversaire, c'est simple, il sait que l'adversaire a un chelem. Donc comment empêcher l'adversaire de demander le chelem, ou bien lui mettre des bâtons dans les roues, eh ben, c'est en répondant sur trois piques, sans crainte. On a mis quatre, alors cinq piques, ce sera un Texas, comme on dit, pour six cœurs. Alors, ça, c'est terrible, de l'autre côté. C'est maintenant entamé le 5 de carreau. Nous, dans le CEF, on a entamé le 6, la deuxième de quatre cartes sans honneur. Les Italiens, ils entament pas pareil, c'est la parité inverse. Et là, on est très très mal. Hein. Les trèfles mal placés, les atouts 5-0. Je préfère ne pas regarder. Là, quand même, la consolation, c'est qu'on n'est pas contre. Alors, vous avez vu l'autre côté? Un cœur de nanan, quatre piques, 500 atouts. C'est quoi ce 500 atouts? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ce 500 atouts? Est-ce qu'on pourrait mettre que 400 atouts? 500 atouts? Et ça peut être. Mais bon. Six carreaux en réponse. Peut-être que c'était 400 atouts, mais on n'aurait pas répondu six carreaux, que l'opérateur a fait un misclic. Alors, on va couper du 10, ouais, ou du valet. On peut faire tout ce qu'on veut, hein. Et même pour épater la galerie, on pourra même sous-couper. Seule chose à ne pas faire, c'est défausser le roi de coupe. Six cœurs passe-passe, oh là là. Ça va être encore un autre mauvais coup. Ça va être six cœurs égales pour les Italiens, sept cœurs moins un. Pour nos amis belges.
Alors, la coupée de l'as de pique, tout est équivalent, hein, ça. Roi de cœur et cœur. Si on s'entoure à moins 1, ça sera bien. Si on termine en double coupe. L'autre côté, même entame du 4 de pique, mais là, contre 6 cœurs. Contre 6 cœurs, il va faire 6 cœurs. L'as de pique, 7, 2 carreaux, 9, 3 trèfles, 12. Hein. Et il fera, ben, il tirera aussi As-Roi Dame de trèfle au cas où Valet 10 tombe. Ah oui, j'entends l'eau qui tombe. Regardez la météo, tiens. Alors, météo à Biarritz, 23 degrés, couvert. Je vais ajouter, je vais mettre Marrakech, comme ça. KECH. Est-ce que j'ai Marrakech? Ah ben, oh. Ouais, non, pas mis sur ma météo, tant pis. Bon, ben on a fini par moins 2 parce que on ne connaît pas les 4 jeux. On ne savait pas que les atouts étaient 5-0. Voilà, un coup de 17 pour l'Italie. Alors ça. Un petit coup d'œil au classement, s'il est actualisé. Actuellement, le classement nous met la Belgique 11e à 188 et l'Italie qui revient 6e, 209. Je rappelle, les 8 premiers sont qualifiés. Pour l'instant, le 8e à 205. Donc, c'est 17 points à rattraper pour la Belgique sur les donnes qui viennent et les 6 prochains segments. Donc, rien n'est joué. 44 degrés aujourd'hui. Merci, voilà, 44. Alors, si c'est une distance 12-13. Un cœur contre un pique. Passe, on n'a pas assez de jeu pour mettre deux trèfles. Deux cœurs, j'ai six cœurs. Passe, passe. Alors, à la limite, on aurait pu mettre trois cœurs si on est très en retard pour essayer de jouer un contrat de quatre cœurs si le partenaire n'est pas très minimum. Voilà. C'est-à-dire, si on avait 10 points avec, si le valet de cœur était une dame de cœur seconde, sur deux cœurs, on aurait mis trois cœurs chez deux roses. Et on n'a pas réveillé à trois trèfles, hein. C'est dit, on va pas les pousser à quatre cœurs, vraiment, j'ai rien, c'est dit Versace. De l'autre côté, un trèfle, un cœur, compte ces quatre cartes à pique, sur compte, un honneur second, trois piques, ah. Ah. Que va faire Donati?
Ça, c'est pas évident, hein. Alors, le 3 piques dans le système français, c'est comme si on avait répondu le compte, on répond un pique, 3 piques. Grosso modo, les zones de points, c'est pas 17, 19, 4 cartes à pique, c'est 2 points de moins. En gros, c'est 14, 16 avec un singleton. Donc, on se dit, est-ce qu'avec 14, 16 avec la main là, est-ce qu'on peut gagner une manche? Eh bien, on dit que quand on est rouge, si on hésite de demander une manche, on la demande. Et si on est vert, on la demande pas. Voilà. Et voilà, 4 piques, hein. 4 piques, ça va pas gagner. On va reprendre quelques petits points. Alors, est-ce qu'on pouvait contrer 4 piques avec le jeu de Sam? Je ne sais pas, parce que si on contre, après, l'adversaire, que va-t-il faire? Eh bien, il va jouer sans le coup, sans jouer à tout. Alors, appel sur compte en entamé d'un petit cœur, sous As-Dame, parce qu'on sait que Sam a le roi de cœur. Non, 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 on est parti pour. Alors, on va faire beaucoup de levées, parce qu'en plus, Percario va essayer de gagner son contrat. De l'autre côté, on a un roi lamentable et une donne sans histoire. Dommage, ça n'a pas été contré. Partenaire a intervenu à un cœur. On se dit, on va faire as roi de cœur, on va faire l'as de pique, on va les raccourcir et on pourrait faire une ou deux levées de chute. C'est dommage. Alors, un cœur, un pique. 3, 4, 12, 13, 14, 15 contre, oui. Trois carreaux chez De Rose. Il manque un petit point pour mettre trois carreaux, hein. Mais je suis toujours optimiste quand je joue. Trois dames, valet, cinquième. Ah, deux carreaux, passe-passe, et on va pas réveiller l'eau qui dort en or. Et voilà, on a passé. Alors, si on met trois carreaux de l'autre côté, on mettrait trois cœurs. Oui, on sait qu'il n'y a pas le ré-cœur. On arriverait peut-être à un contrat de cinq carreaux. Cinq carreaux, on perdrait deux cœurs et un pique qui chuterait. Voilà, donc. On a fait finalement des bonnes enchères. On tient le cœur. On va se dépêcher de pouvoir couper un cœur ou un jour ou l'autre. Et si on ne peut pas, on va faire double impasse pique. On va se faire 9 ou 10 levées à carreau.
un flanc à tout. C'est presque une donne d'école, déclarant va couper de la main courte, enlevant les atouts de la main. As de trèfle, ça c'est joli. Roi de trèfle, on note la chute du valet de trèfle. Petit trèfle coupé, la dame tombe, c'est fantastique. Et on va faire 130, 2 plus 2. Et voilà, donne suivante, donne 10. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors les trèfles sont différents, parfois c'est naturel, parfois pas. Parfois c'est 16 points, alors c'est jamais le même trèfle. Un trèfle, un cœur compte, j'ai 4 cartes à pu. Trois cœurs, c'est un barrage avec quatre cartes à cœur. Même rouge, on a quatre cartes à cœur, baron, parce que de toute façon, il faudra le faire un jour ou l'autre, et c'est à l'adversaire maintenant d'être un peu plus gêné. Douze points en face. Alors, on a le choix, soit dire compte, qui pourrait éventuellement rallonger les piques, sur lesquels Versace mettrait trois piques et après on est embêté. Voilà, ouais, le trois cœurs, ça va manger des enchères. Ouh, on a passé carrément. On a passé avec 12 points honneur, ma foi, avec Dame Valet de cœur sec, on a dévalué, on n'a pris aucun risque, et ça, c'est pas mal de la part des Italiens, j'ai l'impression que c'est très bien jugé, ça. Eh bien, voilà, la Belgique a pris troisième P sur la donne du 4 pique, et Sam doit regretter de ne pas avoir contré, mais si on faisait tout bien, alors, ça va perdre un cœur, oh, on tombe valet de cœur. Il va falloir qu'il détermine est-ce que c'est valet sec. Est-ce que l'on a entamé d'un valet sec? Une fois, il y avait Gabriel Chagas qui avait fait une entame comme ça à l'atout. Il avait entamé petit atout en dessous de la dame second. Et il avait fait chuter l'adversaire qui était un, je sais plus qui c'était, ça devait être un multiple champion du monde. Alors je vous dis tout de suite, moi je vais pas le faire parce que j'ai pas le niveau et si ça rate, j'ai tous mes partenaires qui me tombent dessus. Hein. De l'autre côté, on a contré quand même, même si un cœur compte, on a que deux cartes à trèfle. Tant pis si le partenaire répond deux trèfles, on passera, on a roi valet. Roi valet, c'est comme si on avait trois cartes. Hein.
Un cœur contre un pique, deux trèfles de cœur, alors. Alors, on a parlé librement à deux trèfles avec pas grand-chose, on connaît pas le système. Est-ce qu'on a l'habitude des réponses faibles en face d'un contre? Auquel cas, de Donder va recontrer et Sam va remettre trois trèfles. Hein. Ah, on n'a pas recontré. On va jouer de cœur. Hein. Ah, on a raté. On a raté la dame de cœur. C'est dommage. Ah, j'ai entendu un. Ah, c'est. Non, alors je réponds. Voilà. Oui, c'est un des hôtes jaunes. Vous avez des. Sur BBO, les yellow, comme on les appelle, eh bien, ils sont là pour vous aider si vous avez des problèmes avec BBO, si vous avez des renseignements à donner. Et là, comme je retransmets, il y a un joueur qui me demande est-ce que je retransmets la prochaine session? J'ai dit non. Le prochain rendez-vous, ça sera demain à 14h30. Voilà. Voilà. Donc, on a raté la dame de cœur. Tant pis. Maintenant, si on l'avait prise, eh bien, ça nous ferait toujours que 5 cœurs, 1 pique 6, 1 trèfle 7 et une coupe 8. Hein. On était à moins 1. Un carreau de pique. Alors là, j'avais une copine à Lyon qui me disait, Jean-Claude, tu ne dois jamais mentir sur la distribution. Quand tu as 7 piques, soit tu passes, soit tu dis 3 piques. Donc en l'occurrence, j'aurais fait comme As, j'ai pas de singleton, un valet second, une dame seconde, ça vaut rien. J'aurais minimisé la main. À tort ou à raison, mais j'aurais fait pareil. Un carreau, deux piques, trois trèfles. On voit que les mains ne concordent pas trop. On fait beaucoup de levées parce qu'on a tous les trèfles maîtres. Trois carreaux. Un jour ou l'autre, on va mettre 300 à tour. Hein. Voilà. Trois carreaux, trois piques, as-tu l'arrêt? 300, oui. Alors, quand on n'a pas de remontée, eh bien, entamer dans une couleur sixième ou septième, c'est rarement bon. Donc, généralement, les joueurs n'entament pas les couleurs sixième ou septième. Si vous n'entamez pas pique, l'adversaire indique carreau trèfle, il ne vous reste plus qu'à entamer le valet de cœur. Hein.
Et ben voilà. Pourrais jouer avec Art, hein. S'il veut bien de moi. Alors, valet 4. 3, 6, 7. Après, on va faire 7 trèfles. L'as de cœur 8, l'as de pique 10, l'as de carreau 11. Voilà. 300 plus 2. Ah, vous voyez que l'autre côté, on a répondu 3 carreaux sur le contre Donati. Donc en face d'un compte d'appel, je devrais jouer avec Donati. Et en flanc, je devrais jouer avec Hearts. Voilà. Alors, le contre 2 d'under, il faut bien vous mettre d'accord avec votre partenaire. Quand vous ouvrez et que vous contrez un cubis adverse, est-ce que ça demande l'entame dans cette couleur ou est-ce que ça refuse l'entame dans cette couleur et suivant la séquence qui s'est passée? Voilà. Notamment, si j'ouvre d'un cœur que l'adversaire joue 300 atouts et que West avait cubis des cœurs et que je contre, pour moi, ça voudrait dire n'entame pas cœur parce que cœur, c'est l'entame naturelle. Dans cette séquence-là, c'est un peu différent. On ne joue pas 300 atouts, on demande l'entame cœur. Hein. Quatre carreaux par est. On a la même entame que tout à l'heure. On devrait jouer pareil, arriver au même score. Penchons-nous sur la double. 1 cœur, 4, 7, 10, 14. 1 cœur, 1 pique, 2 cœurs. Peut-être 3 carreaux maintenant. La 2 cœurs ou bien 4 cœurs chez Verschatchet. L'ouverture d'un cœur étant sûrement limité. Quand on joue le trèfle fort, donc on ouvre d'un cœur, ça va jusqu'à 15 points, hein, mine de rien. Pas plus. Donc parfois, quand vous jouez en festival, vous voyez un cœur, l'autre adversaire met 4 cœurs, et quand il étale son jeu, il a 14 points. Alors, faut pas être surpris, hein, c'est une inférence du trèfle fort. Maintenant, est-ce qu'on a un peu trop de jeu pour mettre 4 cœurs? C'est un autre problème, c'est Versace va nous le dire tout de suite. Il est très occupé jusque dimanche. Oui, donc il ne pourra pas jouer avec moi. Merci Dominique. Bon, bah, tant pis. Voilà, trois carreaux. Alors, est-ce qu'on va mettre trois piques dans le roi second? 300. Alors, faut dire que nos cœurs sont pas beaux. Trois piques rentreraient quand même trois cartes. Alors maintenant, on a encore un autre problème d'enchère. Est-ce qu'on passe? Est-ce qu'on met quatre cœurs? Quatre cœurs. Quatre cœurs. On perd pas de pique. On perd les trèfles. Les carreaux perdants pourront partir. On va perdre deux cœurs. Entame carreau. On va peut-être perdre deux cœurs et un carreau. On va faire égal. Peut-être avoir l'entame, la dame de trèfle. Dame de trèfle, on va faire peut-être plus un, du coup. Dame de trèfle, on prend l'as de trèfle. Petit cœur vers le roi, ça tient. Je rejoue cœur. Quoi que joue l'adversaire, je défile les piques, j'ai fausse carreau. 11 le. Pendant ce temps, je n'avais pas regardé à l'autre table où on a joué 5 trèfles.
Non, c'est pas ça. 300 plus 2 à la 11, on a la donne 10, ça me change. Alors, un carreau, un cœur compte 3 cœurs. Même séquence. Ah, ça me fait 10 de pique. 10 de pique, donc, alors, on va faire 11 levées. 10 de pique, switch cœur. Allez. Voilà. Et là, sur le roi de cœur, bah forcément, on a mis le 8 de cœur, parce que si on avait deux cœurs, le 8 et le 2, on pouvait dire au partenaire, soit jouer le 2 pour dire on n'a rien à carreau, soit jouer le 8 pour dire je préfère que tu joues carreau, ou bien ne joue pas trèfle. Ça transmet deux messages en même temps, ça serait préférentiel. Alors, ce qui n'est pas le cas, on va couper un trèfle. Et maintenant, on va défiler les piques. Ah oui, c'était une autre façon de jouer. Donc on tient, voilà, tant qu'on a l'as de carreau, ah oui, j'avais pas vu cette façon de jouer. Tant qu'on a l'as de carreau, on peut faire grosso modo ce qu'on veut. Et de rose, il sait pas qu'on a le roi de trèfle, hein, donc il n'est pas censé rejouer carreau à ce stade. Il va peut-être rejouer trèfle d'ailleurs. Ah, mais on ne saura pas. Alors, de l'autre côté, avec Dame Valet de cœur, on entamait la Dame. Elle déclarant du coup un milas, et il s'est dit si on entame la dame, c'est qu'on peut avoir que le valet, on n'entamerait pas la dame sans le valet. Voilà, ça, j'en sais rien. Ça s'appelle un raisonnement, je cherche le nom, un raisonnement où on pousse le raisonnement, pas à la folie, mais dans tous les sens. Hein? Ça me reviendra. Bon, le score, 56-17. C'est dur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, est-ce qu'on ouvre en troisième cette main? En théorie, on ouvre en troisième, surtout par paire, une main avec laquelle on serait intervenu, ou bien on ouvre, même faible, c'est pour donner une bonne entame à son partenaire. Voilà, la question se pose pas. On ouvre d'un cœur. On a un beau 6-5 de l'autre côté, un cœur. 200 à tous les mineurs. Alors là, on va sûrement mettre trois cœurs quand même, de politesse. On a un beau trois cœurs. Alors dans cette séquence, le trois cœurs, ça vaut un deux cœurs et demi, hein, normalement. Si vous avez que 8 points, mais la même, au lieu du roi de trèfle, peut-être la dame de trèfle, au lieu du dame de pique, vous avez le roi de pique, l'as de cœur, avec 7 points, mais on va mettre un trois cœurs quand même de politesse. Alors sur une enchère bicolore, qu'est-ce qu'on répond? Donc silence adverse, eh ben on compte les couvrantes, on compte l'as de pique qui est une couvrante, on compte le ouh, voilà, 5 trèfles c'est des roses. On compte le singleton carreau qui est une couvrante parce qu'on va pouvoir couper. Et on compte le quatrième atout qui ferait une couvrante de plus parce qu'on pourra couper deux fois. C'est-à-dire on apporte trois levées au moins à son partenaire. Donc je pense que Derof aurait répondu 5 trèfles. Et voilà. Que demande le peuple? Ça, c'est
Et s'il avait plus de jeux, eh bien, il aurait cubiné à 3 cœurs. Et Sémantin n'aurait pas dit 3 cœurs dans la séquence, ça m'étonne un petit peu. Alors, est-ce que ça va gagner? On perd un cœur, un carreau, et le roi de trèfle est mal placé. Malheureusement, on devrait faire moins 1. Alors, on pourrait essayer. Ah, on pourrait presque faire quelque chose. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'autre? Non. On peut même défausser le roi de cœur, hein. On ne peut pas voler le contrat. Allez, le flanqueur tout de suite, hein. Boum. Un carreau, trois piques. Alors, vous voyez, là, il pourrait jouer avec ma partenaire de Lyon, Pierre Caraillou, parce que lui, il a sept piques, il a dit trois piques. Donc, on joue cinq trèfles. Alors, cinq trèfles. On fait sept trèfles, as de carreau, huit, l'as de pique, neuf, l'as de cœur, dix, dame de cœur placée, onze, c'est bon, ça va rentrer. Maintenant, pour ceux qui disent, j'aurais dit que quatre trèfles avec la main d'est de rose, je peux vous certifier que Hart sur quatre trèfles, on aurait mis cinq, hein. Donne 14. Dix honneurs et 3-10. Alors, je connais des joueurs qui ouvrent cette main de 4 cœurs, hein. D'autres de 1 et d'autres de 3. Et voilà, un cœur. Je pourrais également jouer à Versace pour les enchères, à l'ouverture. Alors on dit pas les piques en ouest, Paco montrait au plafond, Hervé Paco. Parce que lui, il dit, s'ils sont pas beaux les piques, vous passez et après vous intervenez. Comme ça, votre partenaire, si vous êtes en flanc, n'entamera pas pique déjà. Il ne donnera pas de levée. Alors maintenant, la question se pose pas. Il peut toujours pas contrer pour les piques, hein. Un cœur, deux trèfles, deux piques. Ça doit sûrement montrer six cartes à cœur. Trois trèfles, j'ai plein de trèfles. La séquence doit être quand même être forcée de manche. Trois cœurs, je n'ai que du cœur. Bien quatre cœurs, je veux un. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On va arrêter de faire des enchères, on va nommer le contrat qu'on a envie de jouer. 4 cœurs, je veux jouer 4 cœurs. 4 cœurs, on perd un pique, on va perdre un cœur, ça fait 2, et 2 carreaux, ça fait 4, ça devrait faire moins 1. Alors là, je regarde les photos qui sont mises sur le site de la Fédé, et j'ai l'impression que tous les joueurs ont 20 ans de moins. Sur les photos, je me suis dit, c'est aussi bien, hein. Il y en a qui n'ont pas beaucoup changé, d'ailleurs. Donati est très jeune, hein. C'est un joueur italien très très jeune, et Pierre Cario aussi. Sam est très jeune également. Ah, l'entame du singleton. On devrait faire pas mal de chutes. On ne peut pas revenir en main.
Alors, il va transiger sûrement pour moins 2 en mettant l'as de trèfle. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Dame de carreau. Alors la carte, là on a mis le 3 de carreau. J'aurais aidé mon partenaire, mais c'est quand même facile. Sur la dame de carreau, j'aurais mis un gros carreau pour dire que je préfère du pique, parce que la parité à carreau, ça n'a, à mon avis, c'est pas très important dans cette séquence. Et si je veux montrer la parité, je mets le 7, hein, également. Donc tout roule. Retour du 7 de pique, la célèbre carte du milieu. Quand on joue une grosse carte, normalement, ça veut dire, oh, j'en veux pas. Un 7 de pique, de toute façon, on sait qu'on va jouer le roi de trèfle. Mais on n'a pas tiré l'as de carreau avant. Là, ce qui va se passer quand on va jouer trèfle, le déclarant va défausser son carreau. Est-ce que ça sera pareil? On fera une coupe au lieu de l'as de carreau. Donc ça ne change pas. Donc on est parti pour moins. Voyons la séquence de Dodd Under et de Sam Babout. Un cœur, un pique, deux cœurs. Voilà, moins deux, ça nous fait 100 à quatre cœurs. Et un pique, deux cœurs, alors trois carreaux. Sûrement que ça va être à peu près la même séquence qu'à l'autre table. Oh, quatre trèfles splinter. Je suis, voilà, c'était quatre trèfles splinter. Oui, j'ai envie de jouer un chelem sur cour à trèfle. Si tu as tous les points qui jouent, je suis partant. Ah. Là, je vois qu'il joue un splinter quand même qui est très très fort. Pour ma part, je joue les splinters un peu plus faibles. Là, il est extrêmement fort. 4 cœurs, passe, 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 c'est bien. Dommage chez les méchants. Avant-dernière, donne à droite. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, c'est un trèfle comme ça vient. C'est toujours pareil. C'est le système italien. Je vais regarder la feuille. Alors, c'est lequel feuille? Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est l'autre. Pourquoi on n'ouvre pas d'un carreau? L'ouverture d'un carreau, c'est une main tricolore, c'est une main unbalancée. Voilà. Comme on a une main régulière, on est obligé d'ouvrir d'un trèfle dans leur système. Un trèfle, un cœur. 4, 7, 8, 9, 10, 14. Alors, c'est un compte. Alors, le 1 cœur, ça veut dire qu'on a au moins 3 cartes à cœur dans le système italien. Ça montre pas 4 cartes à cœur, ou bien ça montre qu'on a 4 cartes à pique. Hein, c'est un des deux. Compte, j'ai 4 cartes à cœur. Ça doit être ça plutôt. Deux carreaux, ben, je n'ai pas de cœur. Je suis obligé de parler. Et finalement, trois trèfles et canapé. Je veux jouer trois trèfles. Voilà, donc les Italiens vont jouer dans la bonne couleur.
En France, ça serait passé un carreau, un pique, peut-être que l'on aurait passé à droite, un sans atout. Et après, soit on passait, soit on disait deux trèfles, suivi de trois trèfles pour s'arrêter. Alors, trois trèfles, on va faire quatre trèfles, moins deux carreaux, ça fait six, moins de cœur placé, ça va gagner. J'entends du bruit, je vais aller voir ce qui se passe. Alors ça va sûrement ouvrir également d'un cœur en troisième. Au boulot, pendant qu'à droite, on a vu qu'on voulait couper de la main courte, on joue à tout. Tout ça, c'est bien. Hein? Ah, carrément deux cœurs. Alors, il joue l'ouverture de deux cœurs, au moins quatre cœurs et quatre piques. Voilà. Alors, sur deux cœurs, les bicolores mineurs, eh bien, c'est trois cœurs. Trois cœurs, on joue ça, voilà. C'est soit demande d'arrêt pour trois sans atout, soit bicolore mineur. En haut, eh bien, je sais bien qu'on est rouge. L'ouverture, alors quand on joue l'ouverture de deux cœurs, au moins quatre cœurs, quatre piques, je peux vous dire que le joueur qui est rouge, quand il ouvre de deux cœurs, 95 fois sur 100, il a cinq cartes à cœur. Le Donder n'a rien dit puisqu'il n'a pas de singleton. Alors maintenant, si on ne promet pas forcément du trait du un bicolore mineur avec trois cœurs, eh bien, on doit se contenter seulement de quatre trèfles. Quatre trèfles, cinq trèfles. Compte chez Dunder. Ah! Qu'est-ce que cinq trèfles compterait? Il se dit, j'ai le roi de trèfle, j'ai l'as de carreau, mon partenaire a ouvert rouge de deux cœurs, même s'il est faible, il n'est pas si faible que ça. Ses points sont bien placés. Ah, j'ai pas mal, hein, le contre. Ah. C'est pas mal du tout. Cinq carreaux. Cinq carreaux contrés. Alors là, Donati, à mon avis, il comprend plus rien. Hein? Père Cario pense que quatre trèfles, il a peut-être que deux trèfles et deux carreaux. C'est pour ça qu'on est contré à cinq trèfles. Voilà le raisonnement de Père Cario.
et se dit, si mon partenaire n'a que deux trèfles et deux carreaux, on sera mieux à cinq carreaux. Alors, Donati se dit, qu'est-ce qui se passe? Mon partenaire, il doit comprendre que j'ai du trèfle. Donc 5 carreaux, ça voudrait dire, je veux jouer 6 trèfles si tu as ce qu'il faut. Je ne veux pas me contenter de 5 trèfles contrés égale plus 1. Voilà. Ouh là là! Ah, voilà, j'ai trouvé tout à l'heure le raisonnement, qu'on faisait un raisonnement sur le bout des doigts, mais pas très juste, ça s'appelait un raisonnement de Varsovie. Alors, 6 trèfles, eh ben, là, 2 d'under, eh ben, il a retrouvé, il a appelé l'arbitre pour lui demander quelques cartons rouges parce qu'il n'en avait plus dans la boîte. Et il est un peu comme Zimmerman. Alors, Zimmerman, il est surnommé Zim Boom Boom, Boom Boom, parce que il a toujours une dizaine de cartons rouges et il contre punitif très, 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 très souvent. Ah, eh ben, voilà, un bon petit coup pour la Belgique. Alors, je n'ai pas regardé l'autre côté parce que là, ça joue vite. Donc là, on va perdre au moins un trèfle, au moins un carreau, au moins un cœur. On va faire, eh bien, on va faire un bon coup. On est à 6 trèfles, eh bien, moins 2, 500. Un trèfle, un carreau, un cœur, 500. Alors, de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai pas suivi. Un trèfle, deux cœurs contre Spoutnik, quatre cœurs osé chez Sementa. C'est le moins qu'on puisse dire, mais il était vert. Ok, c'est ça, vert, 4-4, 3-2, rien, mais 4 atouts. Contre, pour dire qu'on a du jeu deuxième zone, mais on n'a que 3 cartes à pique. Et 4 piques, finalement. Ah, on aurait pu mettre 5 trèfles hein, chez Hartz, parce que on a mis le compte montrer que 3 cartes à pique. Alors là, ça va être plus compliqué maintenant. Les trèfles, on a tout mettre. Les cœurs, on n'a pas trop de soucis. On aura la dame de carreau placée si on en a besoin. Donc, grosso modo, on peut se permettre de perdre quelques piques, de perdre 3 levées piques, mais il faut pas être à course. Voilà. Alors, si je mets l'as de cœur, je joue roi de pique. Ça devrait gagner, quand même aisément. Je vais voir quelle carte va jouer en deuxième Hartz. Alors, j'avais un, ah, je sais plus qui me disait ça. Je me demande, c'est pas le frère de Godefroy de Tessier, mais il m'avait dit un jour, Jean-Claude, quand tu joues une carte, tu dois savoir quelle carte tu vas jouer après. Sinon, tu mets pas ta carte. J'ai dit d'accord. C'est un bon conseil, hein. Alors, est-ce que ça va gagner 4 piques ou pas? À 4 jeux, ça gagne, c'est toujours facile. C'est plus facile à 4 jeux qu'à 2 jeux. Hein. Logiciel pour gagner ses contrats. Voilà. Donc, le début du coup, il fait ce que j'aurais fait. L'adversaire va sûrement rejouer, je dirais, le roi de cœur. Ah non, qu'est-ce qui s'est passé alors? Oui, Percario a mis un pic, hein. Si Hervé Paco voyait cette enchère d'un pic, montrait au plafond. Qu'est-ce qui s'est passé alors de l'autre côté? On a mis le roi de pique, on a rejoué le roi de cœur. Ah! On n'a pas coupé. Donc on a déjà perdu 2 levées. Ce qu'on aurait pu faire, c'est couper, tirer la dame de pique, c'était une hypothèse, et après défiler, laisser 3 piques et essayer de trouver la dame de carreau. Moi, je dis c'est facile, puisque je vois les 4 jeux que la dame de carreau est placée. Hein.
Et quand vous sortez d'un tournoi, votre partenaire vous dit que tu as chuté sur table, regarde le diagramme, tu as toujours dit levé, c'est parce que le robot joue à 4 jeux. Bien, l'alternative, une fois qu'il y a eu le retroupeur coupé, on pouvait également jouer un petit atout des deux mains. C'était encore une autre option. Voilà. Que va faire le flan? Jouer à tout, ça simplifie. Est-ce qu'il va jouer couper des fausses? Ah, à gauche, on est à 300 atouts pour l'instant. Est-ce qu'on va laisser 300 atouts? Non, 4 cœurs. 4 cœurs qui vont chuter également. Dans ta masse de carreaux, le flan va être très facile. On va faire ces 2 carreaux et après on va attendre avec nos levées. Ah, à moins qu'il contre-attaque tout de suite trèfle. Que va faire Pierre Cario? Pour moi, la dame de carreau, ça a franchi une levée, hein, pour défausser un trèfle de sa main. Ah, la coupe et les fausses. Chez Versace. Si on coupe du 5 de pique, on joue la dame de pique. On revient à l'as de carreau et si on joue le 10 de pique en espérant les atouts 3-3, on va chuter le contrat parce qu'ensuite on va perdre encore 2 cœurs et on va faire moins 2. Donc une des options de Hart, c'est jouer les atouts 3-3. Alors, s'il fait ça, il est à moins 2. Ah, je rappelle que vous avez le site du 46e championnat du monde, où vous avez les résultats, vous avez les systèmes. Oh là là, on a défaussé carreau, on a coupé de là-bas, on a joué la dame de pique. Il va jouer les atouts 3-3. Donc sur le site, vous avez bien sûr les résultats, les systèmes, vous avez les bulletins, vous avez les horaires, vous avez tout. Le site s'appelle, vous allez sur le site de la WBF, World Bridge Federation, et à un moment donné, vous voyez Result, et là, vous êtes sur le site où vous avez les résultats des 4 catégories. Ah oui, alors.
Oh, on a fait l'impasse au valet de trèfle. Oh. Oh, alors là, qu'est-ce qui s'est passé là? Dame de trèfle, trèfle. Trèfle. Bien, l'opérateur aurait cliqué trop vite, je ne sais pas. On va voir un undo après. Undo. Bon, je pense qu'il a mis le roi de trèfle, qu'il a joué le 10 de pique, et après il a été raccourci, et il a fait moins 2, il avait joué les atouts 3-3. On verra ça dans le bulletin. D'ailleurs, sur le site de la WBF, vous avez également les bulletins. Soixante à 28 pour l'instant. Ah. Je rappelle qu'à la 15, on a joué trois trèfles, on a joué à la 15. Chez les Italiens, 4, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 1, 10, 11, 12, 13. Ici, on a ouvert un pique, un carreau en sud, un pique, un cent, deux trèfles, deux carreaux, 200. Alors, quand vous avez 13 points et que votre partenaire vous dit 200 atouts, quand faut-il dire 300 ou passer? Alors, mon coach me disait, si tu n'as pas honte de ton ouverture, tu mets 300 atouts. Si tu as honte, tu passes. Voilà. Donc, en l'occurrence, avec ce beau carreau, roi valet 10 cinquième, on n'a pas honte et on dit 300 atouts. Et après, ça gagne, ça chute, hein, c'est un autre problème. Et là, ça va gagner puisqu'on a remonté à l'as de carreau. Pour faire les trèfles et que les piques sont bloqués. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Un petit coup d'œil sur le classement en attendant. Alors, là, on est en Bermuda Bowl. Alors, l'équipe de France, il n'y a pas d'équipe de France en Open. Nous, on joue en dames, en senior et en quatre mixtes. Alors, pour l'instant, on a 100, enfin, je dis on a. La Belgique a 189 et le huitième, c'est Israël, 204. Donc ça fait toujours 15 points d'écart. Alors, Donati réfléchit pour savoir s'il peut battre. Parce que s'ils jouent pique, s'ils font le flanc pique, ils vont peut-être affranchir une levée. Alors, il essaye le flanc carreau. 4-3, as de carreau, ça fait 3 levées. 3 levées, plus 3, trèfle 6. 4, 5, 6. 2, cœur 8, le roi de carreau 9. Ça va gagner. Ça va être un coup de 10 environ.
Voilà, maintenant on va tabler, l'adversaire va dire qu'il fait le reste. Il y a eu beaucoup de swing, hein, ma foi, sur ce. Beaucoup de points échangés. Pour l'instant, on est à 60 à 38. Ça fait déjà 98 points. En 15 donnes. Ça fait un peu plus de 6 points par donne. C'est énorme. Alors on va voir dans les autres pays. L'Inde, pour l'instant, mène 54 à 7. USA, Nouvelle-Zélande, USA perd 35 à 54, c'est-à-dire 89 points qui sont promenés. USA contre Panama, 62 à 48, c'est-à-dire 110 points, eux, en 14 donnes. C'est impressionnant le nombre de points échangés en si peu de donnes. Pays-Bas contre Hong Kong, China, 55 à 36. 91 points en 13 donnes. Impressionnant. Alors, 2 carreaux, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 7, 19. Ça, c'est 18, 19 dans une main régulière. Parce que l'ouverture de 2 sans atout chez les Italiens, je crois que c'est 21, 22. Deux cœurs, contre, trois cœurs, on n'a mis que trois cœurs, passe-passe contre. Ah. Donc des deux côtés, on a dit qu'on avait du jeu. Eh bien, 300 atouts chez Donani. Alors, que vaut ce contrat de 300 atouts chez Donati? Il a tête de 5 trèfles, de 2 carreaux 7, 1 cœur 8, 1. Ah, entame du 9 de cœur. S'il entame qu'en tard, le 9 promet le 10, c'est un gros honneur supérieur. En France, elle a entamé le 10 de cœur, ma foi. Donc le problème de Donati, ce sera faire son contrat sans donner la main. Comme la dame de carreau est placée, j'ai bien peur qu'il fasse, enfin peur, étant donné pour lui, ceci dit, qu'il fasse 5 trèfles, 3 carreaux, 8, l'as de cœur 9, ça ferait 600. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? 4 piques moins 2, 600. Et au moins 200, 800. Oh, ouais, ce sera encore un coup de, un coup énorme, ça, 800. Alors, je connais pas, je ne sais pas combien ça fait. 800, un coup de 13. Oh. Voilà, là, on va partir compter les cartes chez les adversaires. Voilà, donc on découvre, Donati découvre que Sam était single tonton.
Donc en même temps, vous avez les défenseurs qui comptent les levées du déclarant. Donc ils savent que le déclarant a déjà 5 trèfles, as de cœur 6, l'as de carreau 7. Sam sait déjà que si Est a le roi de carreau, il va gagner son contrat. Hein. Ah. Dès qu'il va défausser l'as de pique, mine de rien. Puisqu'il sait qu'il est condamné, Sam, et son partenaire a le roi de pique, de toute façon, c'est bon. On fera les cœurs. Peut-être que cet as de pique sert à rien. De toute façon, comme on ne peut rien faire, autant faire une défausse spectaculaire. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est encore un autre problème, parce que l'adversaire a dit qu'il avait 18-19 points. Donc, on est en train de tout recompter. Et qu'est-ce qu'il a montré pour l'instant? Il a montré As-Dame de trèfle, As de cœur, sûrement le valet de cœur, puisqu'on n'a pas, on a mis la dame tout à l'heure en troisième, la plus forte à cœur. Donc, As-Dame de trèfle, As valet de cœur, 4, 4, 8, 9, 10, 11, et on a dit qu'on avait 18, 19, hein. Bon, car il n'y a pas grand espoir. Alors, roi défausse 5 cœurs. Donna-t-il défausse 5 carreaux? Voilà, maintenant il a le temps d'affranchir un pic. Oh là là, il va faire plus de levées qu'encore que prévu. Ah, on rejoue pique. Ah, on a peur que le valet soit parce qu'on a mis que trois cœurs, on n'a pas dit quatre cœurs en or, donc on pense qu'on a le valet de cœur second. Qui va pas changer grand-chose de toute façon à l'histoire. Encore une fois, on va avoir un problème de défausse, mais le coup est fini. On va jouer le 10 de pique, 9, 10, 11, et les carreaux en tête. Allez, on va faire 300 plus 2. Eh bien, sans faire d'avance. Eh bien, je vous dis à demain. Pour des nouvelles aventures bridgesques, et je vous propose maintenant d'aller boire un petit verre d'eau, de faire une petite promenade, s'oxygéner, et à bientôt, à demain, au revoir.